Fatih, je suis sûr que vous reviendrez parce que vous êtes sous le charme. Le vôtre ? Non, celui de la calanque. Mais quand vous amenez une fille ici, vous comptez sur les deux ? C'est toute une stratégie, hein. N'oubliez pas que nous descendons presque tous de Marius. Marius était un général romain qui a battu les Teutons à deux pas d'ici, Aix-en-Provence. Ah, parce que d'après vous, mon cher Marius, vous m'avez battu. Ben, ma stratégie sur vous n'a pas réussi, mais celle du paysage, oui. Vous verrez que la prochaine fois, vous accepterez les volets qui ferment mal, le parquet qui craque et les ressorts du lit qui font bang, bang quand nous ferons l'amour. Parce que vous croyez que je vais revenir et que nous ferons l'amour? Oui, les dieux de la calanque me disent que oui. Et bien, en attendant, général Boudrag, les dieux me conseillent de m'en aller d'ici parce que j'ai un enregistrement à midi et je suis en retard. Et le taxi que j'ai commandé doit être arrivé. Comment, vous avez commandé un taxi? Oui. Mais j'ai ma voiture. Raphaël, vous restez ou vous partez, peu m'importe. Mais je regagne Marseille dans le taxi que j'ai commandé, moi, pour aller dans un studio où je suis attendue, où sont des gens que je connais. Et nul n'a le droit de disposer de mon cœur et de mon corps avant que j'aie dit oui. Mais Patty, vous m'avez embrassée. Pour vous punir, souvenez-vous, vous méritiez une leçon. Et demain, notre rendez-vous, la criée, ça tient toujours? Venez-y, je vous y attends. Vous n'y serez pas. Qui sait? Maman va l'augmenter. Ah, je sais pas. Mais si, il faut que maman lui donne un peu plus, et voilà. Ah, salut. Ma sœur Chantal, Arnaud. Bonjour. Bonjour. C'est la fille d'un ambassadeur d'outre-mer qui vous quitte, là? C'est ma demi-sœur. Elle est bien jolie. Elle est libre? C'est pas mon type. Et qu'est-ce que c'est, votre type? Suivez mon regard. Ça, c'est direct. Eh oh, on est là pour parler affaires, non? Si peu. T'as pu la vendre, la voiture? Non, elle est plus vieille que ce que tu m'as dit. Tiens. Ouais, t'aurais pas trafiqué le compteur, des fois? Moi? Ah bah, si c'est pas toi, c'est celui qui t'a refilé la bagnole. Je vais pouvoir la vendre, mais 5000 francs moins cher. Je m'en vais. Attendez, j'ai à vous parler. Bon, bah d'accord, je repasserai dans 15 jours. Mais non, te dérange pas, dis-moi, je peux te joindre. Là, j'ai pas le téléphone, je vis sur un tas de ferraille, je suis comme Job sur son fumier. Tu permets que j'enlève ta sœur? Ah ben ça, c'est à elle qu'il faut demander la permission. J'ai rien à faire, juste quelques achats. On les fera ensemble. J'ai une voiture, je la vendrai après. Là, 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 c'est quelqu'un celui-là, tu sais? Je le crois. Allez, à ces jours-ci. Salut Arnaud! On se tutoie tout de suite? Vous me faites peur. La curiosité dépasse la peur, non? Oui, je l'avoue. À prendre un verre sur le vieux port? Non, j'ai pas le temps. Je dois faire des courses pour ma patronne, et après je retourne à la stack où je travaille. Mais je vous reconduirai. Je te reconduirai. Allez, monte. Arnaud, c'est bien votre nom? Oui, Chantal. Vous allez trop vite. Vous mettez plusieurs jours ou 5 minutes, qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas sincère. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. J'ai qu'une chose à te dire. On s'est rencontrés, je te trouve très belle et je veux pas te laisser échapper. À partir de là, on discute. Non? Si, pourquoi pas? Allez, première course. Les galeries. Les galeries? Je l'ai pas reconnu tout de suite, mais c'était bien elle. C'était bien le petit Pruneau. L'olive noire. Si je l'avais reconnu tout de suite, j'aurais mis la main au callback et je l'aurais amené ici de gré ou de force pour régler nos comptes. Et j'ai pas cru au hasard, il n'y avait pas une chance sur mille que ce soit elle. 2 minutes plus tard, ça baignait. J'ai interrogé sans en avoir l'air la sœur du mec à qui j'avais fourgué la bagnole. Et elle m'a raconté comment Joséphine est arrivée il y a 2 ans dans la calanque. On la tient. On la tient parce que j'ai la sœur du mec dans la pogne. Enlever, c'est peser. Chantal, elle s'appelle. Tu chopes pas toi, dis donc. Faut que je sorte avant que tu passes au détail. Qu'est-ce que tu vas y faire à la Chantal? Je griffe, tu sais. Lise mes doigts.
Chantal m'intéresse pas. Je profite qu'elle est remballée par ma petite gueule. Je vais m'en servir pour aller là-bas. Je veux savoir comment récupérer Joséphine. En lui foutant la trouille, peut-être. On n'a rien à reprocher à Joséphine. Elle avait 17 ans. On a tous été en tôle, pas elle. Elle en aurait pas fait. Si les flics l'avaient attrapée en même temps que nous, elle serait allée devant un tribunal pour enfants, puis dans une espèce de pénitencier. Ah ben justement, elle n'y a pas été dans un pénitencier. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux qu'elle paye. À 17 ans, elle savait ce qu'elle faisait, non? Joséphine, j'ai jamais vu plus pure, plus naïve. Je veux la récupérer. Ça me fout en rogne de la savoir heureuse. Et en plus, tu la veux pour toi. Et après? T'es pourri. Un jour, je te plaquerai. Oh, sans blague. Allez, je me tire, j'ai pas que ça à faire. En tout cas, compte pas sur moi pour lui faire du mal. Où tu vas? J'ai rencard avec Chantal dans un café à l'Estac. J'aimerais bien voir comment elle est. Si elle est moche, au moins je respirerai. T'as pas de bol, elle est super belle. On dirait Ava Gardner. Bougez pas, il y a du boulot, hein. La voiture qu'on a chouravée jeudi, à repeindre au pistolet. Bien, patron. Tu m'embrasses? Tu me plaques plus? Je le ferai. Quand j'aurai Joséphine, tu pourras te tirer. Je regrette qu'on ne puisse pas se voir plus d'une heure par jour. Et tu as bien du mérite de venir de Marseille pour me voir. Du mérite? Je ferais 100 km pour te voir un quart d'heure s'il le valait. C'est vrai? Ou on aime, ou on n'aime pas. Je te plais tellement, déjà. La preuve. Pourtant, les filles doivent te courir après. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu vas pas être jalouse? Puis à un moment donné, il faut bien se fixer. Et tu es fixée? Comme un papillon sur un mur. Avec une épingle. Ne t'inquiète pas, je te laisserai tes ailes. Mais ça sonne comme un regret, ce que tu viens de dire. Absolument pas. Donne-moi tes lèvres, tu verras. Non, non, pas devant tout le monde. Viens dans la calanque. Je t'ai déjà dit que je te ferais la surprise. T'as vraiment rien dit, ni à tes parents, ni à Joséphine? À elle, je lui ai dit que j'aimais un garçon. Mais j'ai tenu bon. Ni ton nom, ni comment tu es, ni ce que tu fais. Bon. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu me refuses d'aller voir où tu travailles. C'est parce que... j'ai un peu honte. Un cimetière de voiture, c'est pas beau. Puis je veux être digne de toi. Je me sens aimée. C'est merveilleux. Toi aussi, les mecs doivent te courir après, non? Oui, mais moi aussi, il faut que je me fixe. Et Joséphine, elle doit avoir un mec à Marseille, puisque tu dis qu'elle se fait belle quand elle vient en ville. Oh non, elle a pas de mec. Dans la calanque, elle adore vivre presque nue comme dans les îles, tu sais. Par contre, elle s'habille très chic pour Marseille, parce qu'elle va dans une agence d'hôtesse, tu sais, pour se faire un petit peu d'argent, pour s'acheter de jolies robes. Elle nous le cachait, mais un ami l'a aperçue, elle l'a avoué, et puis elle a arrêté. Oh non, elle n'a pas de mec, non. Elle a eu un terrible chagrin d'amour, ça l'a rendue très méfiante. Gérard est un petit peu amoureux d'elle, mais elle a trop l'habitude de le voir, tu sais. Pour elle, c'est comme un frère. Et elle a plus parlé de cette bande, enfin, ceux qu'elle avait connus à Toulon? Elle en a parlé une bonne fois pour toutes. La police les avait attrapés. Et elle s'est sauvée. J'ai vu le frangin de Chantal. J'ai eu 3 briques pour la 205. Quoi faire la fiesta, hein? À présent, on va mettre au point une autre fiesta. Notre débarquement dans la calanque. Ta-ta-ta-ta-ta! Débarquement sans Joséphine! Je dirais sans moi. Tu sais ce que je pense. Elle nous a fait aucun mal. Aucune raison de lui faire du mal. Oh, ça peut être marrant, non? Arnaud, je ris plus. T'es dégueulasse. Comment je vais le prendre, ce que tu me dis, là? Tu le prends pas, tu le laisses. Tu vas jamais causer comme tu causes aujourd'hui, toi. Fallait bien qu'un jour ça t'arrive qu'une fille te remette à ta place. Tu vaux pas un clou, Arnaud. T'es un faux dur. Un vrai dur, ça se mouille un peu plus que tu ne le fais. Pourquoi je jouerais les durs si je peux réussir sans prendre de risques? On se fait 3 ou 4 briques par bagnole volée. Je croyais que tu voulais enlever Joséphine. Pour la peine, les flics le feront. Tu la dénonceras à la police? Oui, bien sûr. Elle a pas été jugée à l'époque, c'est toujours valable. Tu viens toujours pas? Non. Parfait. Nous autres, voilà ce qu'on fait. On se pointe à un moment où le pruneau est pas dans son hôtel. Parce que s'il est dans son hôtel, elle va se sentir protégée par les murs, par la famille de Chantal. On lui rappelle qu'on est sorti de tôle, qu'on existe, qu'on sait où elle est.
Régulièrement, elle va crever de peur. Après, on se tire. Un de nous téléphone aux flics. Tu téléphones aux flics. Prends tes responsabilités. Je téléphone aux flics. Ça, elle s'en doute pas une seconde. Et les flics iront la chercher. C'est pas con ton idée, là. C'est mieux que si on l'avait fait nous-mêmes. Tout d'abord, je voulais la récupérer, mais si je m'étais tapé le pruneau, tu vois la gueule de ma brune? La crise de jalousie? C'est pour moi que tu la récupères pas? C'est bien qu'il y a que toi dans ma vie. Bla 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 bla. Il est en train de te le prouver? Possible. Retire tout ce que t'as dit. Faux dur, dégueulasse, tout ça. Ça va. Je gomme, j'efface, je biffe. Je suis ton mec? Oui. Dis-le, je suis ton mec. T'es mon mec. Je te dérouillerai pas, j'ai pas le temps. À présent, tu me portes ce papelard à la banque. Tu retires 3 briques. Et tu rapportes une boîte de cigarios à ton mec. La marque? Acapulco. Copacabana, saucisse. Malgré que je t'adore. Allez, file. Comment tu te débrouilles avec les filles? Tu leur fais se jeter tout à tes pieds. Tu veux que je te montre? Allez, fais pas le con. Elle me quittera. Bah, qu'est-ce que ça peut foutre? Elle se bouscule tout au portillon. Allez, fringuez-vous. Dans 1 heure, on flambe tout ce qu'on peut au casino. Monsieur Diègue, vous l'avez votre part de gâteau, eh? Vous êtes content. Le roi vous a nommé gouverneur, alors que régulièrement, c'est moi que je devais être nommé. Vous en avez fait des courbettes. Des courbettes? Soyez pas bête, Gormaz. Allez, vos courbettes. J'ai servi le roi pendant 20 ans. Il me nomme gouverneur, c'est normal. Ah, et moi aussi, je l'ai servi pendant 20 ans. Et il me laisse le cul entre 2 chaises. Pourquoi tout d'un coup vous avez la tête jaune comme un citron? Allez-vous, vous faites pas de ville, Gormaz. Je vais pas quand même refuser mon poste de gouverneur pour vous faire plaisir. C'est fait, c'est fait. On va pas se disputer aujourd'hui, alors que mon fils va épouser votre fille. Allez, c'est à nous la mer. Et buvons un pastis ensemble, et après on n'en parle plus. Votre fils, que déjà il pète d'orgueil naturellement, il va plus se sentir de vous savoir gouverneur. Mais non. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là, Gormaz? Mon fils est un garçon de tout ce qu'il y a de bien. Ce sera un grand général. Il n'aura qu'à suivre mon exemple. Et j'ai écrit mes mémoires. Ça lui servira pour le métier. Il ne sera pas plus orgueilleux parce que je suis gouverneur. Ouais, et bien c'est pas en lisant vos mémoires qu'il deviendra quelqu'un, hein? Parce que moi, seulement mardi dernier, j'ai été encore à la guerre. Ils savent pisser le sang. Alors que vous, il y a une paye que vous savez plus ce que c'est qu'un boulet de canon. C'est moi l'exemple, pas vous. On peut être et avoir été, et pam! C'est moi que je devais être nommé gouverneur. Si vous n'êtes pas, et comment je le suis, c'est que vous ne le méritiez pas. Aucune d'autre. Je le méritais pas, moi. Oui, vous. Eh ben, t'as et ça, tu le mérites. Hop. Prends ça sur la figure. Dites, vous n'étiez pas obligé de me donner une vraie claque, hein? T'as déjà pas m'énervé. Quoi, bouffe, un pastisson. Je vais te tuer, mon gros. Oh, ça, c'est le bouquet, je peux pas arriver à sauter mon sabre. Je vais vous aider, monsieur Burne. Et non, couillon, c'est dans la comédie. Mais je peux pas arriver à sortir mon sabre. Il est rouillé. Oh, ridicule. Je suis ridicule. Voilà ce que c'est que d'être vieux. Regardez-le, le grand capitaine. Et ça veut être gouverneur, ça, gouverneur des bourses molles. Allez, ajoute cette petite scène dans tes mémoires, si tu l'oses. T'es. De faire ça, moi, je suis tellement rouge de honte que je dois avoir l'air d'une pomme d'amour. Si seulement vous m'avez vu il y a quelques années avec ce sabre, fallait se lever de devant et hop, le trip au soleil des Sarrasins.
Quel malheur. Vous avez vu la gifle qu'il m'a donnée, là, je, tout à l'heure. Enfin, Gormaz. Eh bien, je peux vous dire une chose. Il m'en donnera pas une autre comme celle-là. C'est une question d'honneur. Je sens au nez me monter la moutarde. Et je vais agir. Mais, comme je suis handicapé, la solution, c'est mon fils Rodrigue. Si tu es sérieux, pourquoi on voit pas mes parents? Pourquoi tu veux pas voir ma demi-sœur? Mais si, on va la voir. J'attendais une occasion. Elle nous a gardé de place. On y va. Tu m'aimes? Et toi? Tu es tellement beau. C'est terrible de t'aimer comme ça, tu sais. Je vais dissimuler ma beauté. Tu es fou. Il est fou. Après la pièce, on voit ma mère? Que moi, je sois nommé général. Je suis tellement logique que par raisonnement logique, de 300 soldats que j'aurai au départ, j'en aurai 3000 en arrivant au port. Enthousiaste, déchaîné. Mais n'anticipe pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu ma joue? Elle est rouge. Une fluxion? Non, une claque. Tu sais pas de qui? Ben non, sois logique. Alors devine. Ben non, tu ne peux pas deviner. On s'est disputé, il m'a giflé. J'ai voulu sortir mon sabre, il est rouillé. Dérouillé, ce sabre, Rodrigue. Mais lui, il est tarif au soleil, à cet ignoble. Mais attention, c'est le plus grand capitaine de notre époque. Tu devines? Tu vois pas à l'horizon? Pas possible. Si, ton futur beau-père. Misère. Ne réfléchis pas, Rodrigue. Si tu réfléchis, tu es foutu. Justement, parce que c'est ton futur beau-père, cette affaire-là, ça ne peut pas se régler autrement que dans le sang. Allez, zou! Oh! Oui! Tu oublies le sabre! Cribot, je t'écrabouille la gueule. On attend Arnaud. Tu nous reconnais? Non. Mais si. Salope, je te jure que tu vas passer à table. Vous vous trompez! Tu veux m'expliquer, dis? Elle va t'expliquer. Elle faisait partie de notre bande, les flics nous ont mis grappin dessus pour vol de voiture. On a tous été devant le juge, sauf elle. On a tous été en tôle, sauf elle. C'est ce qu'on leur fait aux donneuses? Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Retrouvez-la! Touchez pas, je hurle! C'est vous que je devrais rechercher, c'est pas elle! Et toi, Arnaud, tu es tout seul, un seul cheveu de cette petite, et je te tue. Ça, c'est de l'amour. Ah, m'approche pas, je te crache à la gueule. Je te le jure, j'ai jamais fait de mal à personne. Tu lui fais du mal, je te tue. Et je me fous d'aller en tôle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Restez ici, on a ce que je voulais. Il est drôle, mon père. Ne réfléchis pas, ne réfléchis pas. Si je tue mon futur beau-père, je peux toujours courir pour épouser Chimène. Assassin, elle dira. Et si je le tue pas, tout le monde me crachera dessus. C'est Cornelius, hein? C'est le cas de le dire, vous parlez d'une situation, hein. Si je savais, j'irais me jeter dans la mer, ça réglerait tout, hein. Et mon père, le pauvre, avec sa joue rouge. Enfin, il faut y aller, quoi. Tant pis. Je resterai célibataire. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je peux vous parler? Tu as quelque chose à me dire? Vous connaissez mon père? C'est une question stupide. Ah, pas si stupide. Vous connaissez mon père? C'est le plus grand général de son époque. Oh, ça, c'est à voir. Ah, c'est tout vu et moi, je suis son fils. Ah, tu es le fils de ton père. Bon, alors? Alors, je prends à mon compte les crosses qu'on lui cherche. Pauvre petit. Oh, on sait pas les épaules, mon père. Pauvre petit deviendra grand et vite. Alors, qui c'est qui parle? C'est toi, tu me dis. Qu'est-ce que je dis? L'épée. Ah oui, l'épée. Ah, tu t'es d'un sabre comme un canif. Mais tu t'es jamais battu, ne joue pas avec ça. Ben si, justement, on va jouer ensemble. Et c'est vous qui serez collé, mon père. Tu déparles, Rodrigue. Oui, je sais, vous êtes un champion et je suis un morveux. Mais depuis 5 minutes, je me sens monter dans le bras un sens de l'honneur démesuré. Vous croyez pas immortel, Gomas? Mon père tape du pied d'impatience. Allez! Encore! Oh, pauvre Rodrigue, tu ne te marieras pas avec Chimène. Remarque, c'est bien ce que tu fais là. Ah oui, tu aurais fait autrement, tu m'aurais déplu, hein, et déçu en plus. Allez, va, il suffit que tu l'aies voulu. Entre ça, m'oblige pas à te tuer, ce serait trop facile. En garde, je vous dis! Je vais me mettre en colère, hein. En garde, une fois! Oh, dire que tu aurais pu vivre vieux, Rodrigue! En garde, deux fois, de ma parole, c'est vous qui avez peur, Cormas! Peur, moi? Oh, amène-toi, Jobas! Tu vas voir ce que tu vas voir! Aïe, oh, tu me piques! Ah,
joué pendant 3 semaines à la comédie du grand amour pour te servir de moi. Bah, c'est-à-dire que tant qu'à récupérer Joséphine, je me payais toi d'abord et elle ensuite. Je la protégerai. Tu sais la protéger si j'avais voulu ce soir. Fallait la courser. C'est con de l'avoir laissée échapper. Bof. La calanque est petite. Toi aussi, tu joues le cid? Bien sûr, je te pardonne. Bien sûr, je t'aime encore, mais va-t'en. Je te rapporterai des dépouilles sarrasines. Tout ce que tu veux, mais va-t'en. Et du coup, je serai célèbre, on me pardonnera tout et nous pourrons nous marier. Oui, je t'attendrai. Mais tu vas me faire le plaisir de l'expédier, cette guerre. Parce que moi, tu comprends, je comptais qu'on se marierait samedi prochain. Et bing, catastrophe, tu tues mon père. Et je m'excuse, mais je... Oui, bien sûr, l'honneur, etc., je connais. Mais en attendant, je vais sécher sur pied. Nous n'aurons plus nos rendez-vous le soir dans le patio, en cachette de mon père. Je ne pourrai plus me serrer contre ton buste viril. J'ai une copine italienne, Juliette Capulet. Elle s'est débrouillée de tendre une échelle de soie de son balcon jusqu'à son fiancé Roméo. Et celui-ci l'a rejointe. Et tu imagines ce qu'ils font? Mais comment? Pas la peine de me faire un dessin. Faudrait y penser, d'autant que ma fenêtre, elle est au rez-de-chaussée. Oui, mais excuse-moi, mais là, j'ai une guerre sur les bras et il faut que j'y aille. On se dit adieu? Oui. Ne prends pas froid, mon chéri. Mais toujours une petite laine comme mon père. Et tâche de passer au milieu des flèches des sarrasins. On s'embrasse? Je ne sais pas si je dois. Sur le principe. Oh, tu sais, Chimène, les principes au point où on en est. Oh. Reviens vite, mon chéri. Bah, ça revient vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Fifine a disparu. Comment Fifine a disparu? Mais oui, je sais pas. Comme ça. Je sais pas, elle était au théâtre et puis elle a disparu d'un coup. Mais calme-toi, explique-moi ce qui s'est passé. Ben, il faut que tu viennes le voir parce que on sait pas ce qui s'est passé. Viens vite, papa. Ben, le spectacle est terminé. Non. Oh, ben, non. Ce qui m'ennuie dans cette histoire, Chimène, c'est que j'ai beau être princesse et plus belle que vous, et plus jeune que vous, et plus jeune que vous. C'est vous. Vous et vous seul qui l'a dans la cabucelle. Vous avez passé toute la soirée sur scène. Tandis que moi, c'est bien simple. Je suis restée assise sur une chaise dans un coin. Je crois que je devrais vous laisser le champ libre. Il va revenir. Il aura estoubi des milliasses et des milliasses de Marocains, d'Algériens et de Touaregs. On criera « Vive le Cid !» sur son passage. Vous allez pouvoir le pouponner. Pincer ses blessures avec du sparadrap et acheter un lit à 2 places. Et puis vous aurez des enfants, une fille et un garçon. Et ce sera magnifique, surtout si le garçon devient militaire comme son père. C'est quand même mieux que d'être garagiste. Où vous allez habiter? Peut-être au bord de la mer. Peut-être dans une calanque espagnole. Peut-être. Et si pourrait se terminer le Cid, adaptation libre d'après Pierre Corneille. Mes gars, je dis ça. Et ils vont tous. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? C'est pas normal. Joséphine! 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 Joséphine!
Pierre! Merde. C'est vrai qu'on aurait dû la courser. On avait de l'avance sur les cutéreux de la Calanque. Oh merde! Elle a pu s'échapper sur Aix, fausse. Faire du stop jusqu'à Avignon. Est-ce qu'elle est devenue chouette? C'était une môme il y a 2 ans. Nom de Dieu, l'allure qu'elle a. Je l'avais pas reconnue l'autre fois, je l'avais vue de loin. J'avais déjà remarqué l'allure. Elle va te manquer, quoi. Super. Laisse-la tomber. À quoi ça sert? Si la police la retrouve et la retire de la Calanque, et si la tribunal la juge, tu n'y assisteras pas. C'est de la méchanceté gratuite. Ça sert à rien, sauf de lui retirer une chance. Qu'est-ce que tu racontes, ça sert à rien? L'enfermeront bien quelque part. Nous, on saura où elle est. On ira lui porter les oreilles. Quand elle ressortira, on n'aura qu'à la récupérer. Ça, c'est génial. Ça recommence. Tu m'as eu. Tu la veux. Je la reveux. Je t'ai dit, je l'avais vu de loin. Et moi, tu m'éjectes. On n'est pas là. Puis sois pas sentimental comme ça. Ne téléphone pas au poulet. Parce que? Je te le dis, ne téléphone pas au poulet. Elle a l'air vachement sérieuse, là. Pas seulement l'air. On verra demain. Là-dessus, la fine équipe, Dodo. Amène-toi. Je vais coucher en ville. Oh, merde! Je sais pas si je reviendrai. À demain, Carmen. C'est de vendre, toi. Je veux dire, nous vendre, nous balancer aux flics d'ici demain. T'es dingue? Si elle nous vend, elle se vend. On est tous dans le même panier. Ouais, mais je dis ça parce qu'elle a la façon de faire de quelqu'un qui est prêt à passer de l'autre bord. Tu parles. Je la tiens dans le creux de la pogne. Sur ce plan-là, je sais de quoi je parle. Je suis champion. Si t'es si sûr de toi. La spagnotée? Tu me la prêtes? Va pas trop loin, Arnaud. Moi aussi, je peux être méchant. Et on est passé au tribunal et on a tous fait de la tôle. Sauf elle. Justement parce qu'elle s'était sauvée. Mais de toute façon, Primo, c'est pas elle qui nous a vendus, comme Arnaud le croit. Comment ça, vendue? Dénoncée, elle veut dire. Et ensuite, elle serait pas passée en correctionnelle comme nous. Si on l'avait chopée, elle serait allée devant un tribunal pour enfants, parce qu'elle avait 17 ans. Ça veut dire que si la police vient ici, Joséphine passe un jugement? Oui, c'est ce qu'Arnaud voudrait pour se venger. Nous, on a fait un an de tôle. Bon, j'ai compris. Quand ce salaud a rencontré Chantal, il a voulu la tomber comme il tombe d'autres filles. Et puis, elle a dû lui parler de Joséphine, et il a compris que c'était elle. Tout d'un coup, il y a 2 semaines, Arnaud nous a dit. Je parie que la demi-sœur de Chantal, c'est le pruneau. On l'appelait pruneau à cause de sa couleur. Et il a dit, je vais lui foutre une de ses trouilles, vous allez voir. Elle paiera jamais assez, je la démolirai. Mon Dieu, il y a des gens qui parlent comme ça de ma fifine. Écoute, petite, tu es bien gentille de ne pas avoir suivi ce misérable, mais nous, on s'en tiendra pas là. Comme il est fichu d'envoyer la police pour faire du mal à la petite, tu vas nous donner son adresse et nous, on ira lui parler. Non, mais vous êtes dingue. Moi non plus, je le balancerai pas. C'est mon homme. Eh oui, tu l'as bien choisi, tiens. T'attends comme un homme. Rien à me reprocher, j'ai rien fait au plus. Ouais, mais tu pourras avoir un petit bout de revenez-y. Ça, c'est vrai, mais j'ai pas pu me la taper dans le temps, ça m'a manqué. Tu t'as tapé, toi? Allez, défends-toi. Viens, mais défends-toi! Et je te préviens, hein. La rouste que tu vas recevoir, c'est de la rigolade à côté de celle que tu auras si tu lui fais du mal. Et Jackie, je te présente Zorro. Alors, tu te dégonfles? Oh! Oh!
marche. Je vais te soigner, moi. T'as compris, Arnaud? T'as compris? La prochaine fois qu'on se rencontre à Marseille, tu passes sur le trottoir d'à côté, d'accord? Allez, ciao. Il y a seulement 2 semaines, t'aurais pu faire de moi ce qui te plaisait. Je t'avais dans la peau. Et sans cette affaire du CID, j'aurais continué à être aveugle. Mais j'ai les yeux bien ouverts. Tu vaux pas grand-chose, Arnaud. T'es non plus, tu vaux pas grand-chose. Pour le moment, non. Mais ça va pas durer. T'auras pas ton fric, tu restes. Si dans 48 heures, j'ai pas mon fric, je te balance. Toi? Moi. Toi, ma poupée. Avec tout ce qu'on a vécu dans ce plumard. Arnaud, leur tourne. Maryse! Maryse! Je viens être élu aux élections législatives partielles. Aurillac va s'écrouler comme un château de cartes. Amour de Dieu me disait... Tu te souviens d'Amour de Dieu? Oui, c'est celui qui donne des conseils à tout le monde et qui est battu à toutes les élections. Peu importe. Amour de Dieu me disait... Depuis Mirabeau, mon cher Mireux, personne n'a été aussi éloquent que vous. Ajoutant à cela que vous avez la rhétorique infaillible de Démosthène, sans pour autant mettre des cailloux dans votre bouche. Démosthène mettait des cailloux dans sa bouche. Maryse, mais vous avez des lacunes. Il est connu que Démosthène, célèbre orateur grec, mettait les cailloux dans sa bouche pour améliorer sa diction. Je parie que vous avez essayé. Oui, à Bonifacio l'an dernier pendant les vacances. Oui, oh, j'avais oublié de te le dire. J'avais avalé un petit galet. Et ça, le moniteur qui donnait des leçons de natation à Laurence, je mourrais étouffé. Enfin, passons. Hier soir, à la réunion du parti, à plein de cul, j'ai compris que je tenais le bon bout. Maryse, votre époux va être député. Vous serez souvent à Paris? Ah, très souvent. Quelque chose malheureux, bon. Hein? Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour, madame Durle. Laurence, ça va bien? Oui. Elle entre dans un cours d'expression dramatique pour se décoincer. Elle s'était recoincée. Malheureusement. Eh ben, dites-lui de venir me voir, hein. Je la décoincerai. D'accord. Merci, je dirai. Chantal, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal chez toi? Non, ça va. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu peur. Il y a eu cette affreuse nuit du CID et la disparition de votre petite serveuse. Eh ben, justement, c'est la suite. La suite, hein. Je peux vous parler seule à seule? Et c'est à l'avocat que je vais parler. Avocat et futur député. C'est vrai? Oui. Bravo. Enfin, c'est presque sûr. Je t'en prie. Tu dois avoir du succès avec des jambes aussi galbées. Bon. Je t'écoute. Je suis un homme très attentif aux problèmes des jeunes filles. Mais il ne s'agit pas de moi, hein. Il s'agit de Joséphine. Oh. Oui, vous savez, ce drame qu'il y a eu après le CID, eh bien, il est un peu lié au passé de Joséphine. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais que cette petite avait un pied dans le mal. Mais qu'est-ce que vous dites, là? Mais oui, quoi. Cette double vie, ces mini-jupes, ces shorts trop moulants. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Mais enfin, elle a une vie trouble ou non? C'est toi qui viens de m'en avouer. Ben oui, mais... Bon, je prends note. Ah non, pas de note, hein. Je veux seulement que vous me donniez votre avis et surtout les menaces qu'elle a reçues. Elle a vraiment pas peur, hein. Mais nous, on a peur. Enfin, voilà. Quand Joséphine avait 16 ans, elle était en Martinique. Et puis sa mère, elle s'était collée avec un ivrogne. Cet ivrogne, il collait un peu trop à Joséphine. Enfin, vous m'avez compris, hein. Elle s'est sauvée, elle est venue à Toulon et puis, eh ben, elle a mal tourné. Elle a fait partie d'une bande de casseurs, de voleurs et puis... Puis voilà, quoi. Elle n'est pas là. Oui, je sais. Pourquoi tu la cherches des yeux, alors? Tu es idiot. Vous auriez pu vous voir à Marseille. Elle m'a dit qu'après avoir consulté Maître Burle, elle serait passée à ton garage. Moi, justement, j'aurais pas voulu lui parler aujourd'hui. C'est à toi que je voulais parler. Ah, voilà une nouvelle. Écoute, il faut que tu t'arrêtes de compter sur un sentiment sérieux pour toi de la part de Fifine. Elle t'aime beaucoup, mais... Moi, j'aime pas ce beaucoup. Eh bien, il faut que tu t'y fasses. Tu t'es quand même pas battue avec ce mauvais garçon pour que Fifi ne te tombe dans les bras. Si un pompier sauve une jeune fille d'un incendie, elle va pas pour autant se marier avec le pompier. Sinon, il y aurait plus de pompiers célibataires. Elle ne te doit rien. Tu as fait ce que tu devais faire.
Ah, mais je compte pas sur sa reconnaissance, hein. Mais comme ça l'avait un peu rapproché de moi, j'ai cru que ça y était. Eh bien, ça y est pas et ça y sera peut-être jamais. L'amour, il souffle où il veut. Alors, ça peut encore revenir. Entre elle et toi? Oui. Après tout, elle t'a vu avec tant de filles différentes. Continue à te montrer en jolie compagnie. Si elle n'en est pas jalouse, c'est que la sauce n'est pas prête. Tiens. Tiens, regarde. C'est très ancien. Mais j'avais déjà le don, non? Tu en as jamais parlé? Ouf, à quoi ça aurait servi? Toi, tu aimes la danse, tu aurais voulu danser, est-ce que tu en parles? Tu sais très bien que pour y arriver, il faut des cours, des rencontres. Et puis dis d'abord, on doit assurer le quotidien. Tiens, mon père, il rêvait d'être chef cuisinier à l'hôtellerie de Beaumanière. Eh bien, il en a fait son deuil. Et moi, regarde, si l'ami de Zoé ne m'avait pas recommandé à Von Karajan, eh bien... Non, Von Karajan, c'est un chef d'orchestre. Tu as dit... Ralakatian, Rolakatian, Damaratian. Bon, écoute, ça fait rien, je vais noter. Hein. Ça, je le retrouverai. C'est le hasard. Tout arrive par hasard. Et puis, moi, ça fait longtemps que j'avais ma boutique. Et rien ne dit que je l'aurai. Je vais faire des dessins, je les montrerai, j'en ferai d'autres. Et puis toi, tu me serviras de même. Moi, mais je suis trop petite. Il te faut des grandes bringues, sans poitrine et maigre comme un squelette. Mais c'est fini, ce genre. Moi, j'invente le mannequin de 2,60 m. La femme normale, quoi. Et puis alors, je vois déjà le palonceau d'ici. Hein. Chantal Création. Daravadjian Création. Non, Larakadjian. Malakadjian. Bon, attends. Zaravadjian. Non, non, je l'ai là. Le voilà. Caravadjian. Évidemment, au départ, je travaillerai sous sa marque. Mais je compte sur ma grande séduction. Et tu sais que Chanel a débuté petit. Et Christian Dior tout petit. Et puis alors, Cardin, n'en parlons pas. Microscopique. Bon, allez, zou, hein, je travaille. Bien, madame. Si madame a besoin de moi, je suis dans le rôle à côté. Mais oui, Ursula. Mais Ursula. Ah, vous vous appellerez Ursula. Et puis alors, ne vous habillez plus chez Azzaro, hein. If you please. Moi, je veux votre exclusivité. Je peux quand même continuer à poser pour Vogue et Harper's Bazaar. Oui, oui. Mais dans mes modèles. Dès mon retour de Copenhague, je suis à vous. Ah non, c'est bien, hein. Ah, c'est bien. Et tu sais, tu te rappelles, à l'école, tu revenais toujours avec des 16 et des 17 sur 20. Ah, il est super, celui-là. Et puis, t'avais eu un prix de dessin au lycée, non? Non, c'est... Enfin, moi, j'y connais rien, mais c'est original, quoi. Ouais, ça a de la gueule. Et t'as rendez-vous quand avec ce Caravaggio? Ouais. Dans 20 minutes. Et puis, tu t'es sapé, dis donc, hein? Indispensable. T'as le temps de prendre un verre? Ah non, je peux pas, là. J'ai du travail. C'est pas que ça m'emballe, tu sais. Je préfère l'électronique, mais... Dans l'électronique, vraiment, je trouve pas ma place. Alors, en attendant, je continue ici. Ben, tu as l'air d'avoir un cafard monstre. Allez, viens prendre un pot. Ah, écoute, j'ai pas trop envie de parler. Là, j'ai des tas de choses qui se bousculent dans ma tête. J'arrive pas à les mettre en place comme je voudrais. Je tourne pas rond, quoi. Je crois que je vais me mettre en révision, comme une auto. Pas une révision en kilomètres, une révision en années. La révision des 26 ans, tu vois. Tu penses à Fifine? Ouais. J'arrive pas à m'y faire. Tu sais, j'ai parlé à maman et puis, dans sa bouche, c'était tellement clair que Fifine, elle m'aimerait jamais autrement que comme un frère, que j'ai plus envie de revenir à la calanque. Moi. Aussi, on t'a plus revu. Tu sais que papa est en rogne. Eh ben, on sera deux à être en rogne. Et puis, tu sais, si je reviens pas, c'est parce que ça peut peut-être être bon pour ce que je ressens pour Fifine. Parce que maman, elle m'a dit que si je lui manque à Fifine, c'est peut-être bon signe pour moi. Peut-être qu'elle évoluerait vers moi, tu comprends? Oh, mon pauvre. Tu vas pas attendre toute ta vie comme Pénélope, non? Tu veux que je lui parle? Ah non, non, absolument pas. D'ailleurs, t'es fixée comme moi. Elle te parle de moi? Non. Et ben alors? Tu vois que t'avais envie de parler? Ouais. Ça m'a un peu soulagée. Alors, quand est-ce que tu viens? Oh, je viendrai. Je viendrai avec Caroline ou avec Marie-Christine. Ah, quand même. Ah, si je me marie, ce sera avec Marie-Christine.
Eh ben, tu as tort de te marier si tu n'es pas moine. Eddie, oh, 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 je ne suis pas un moine. Oui, mais si Fifine... Écoute, l'autre jour, elle est venue à Marseille pour voir Maître Burle. Moi, je suis parti exprès à la Calanque pour ne pas la rencontrer au cas où elle passerait au garage. Maman m'a dit, oh, mais elle sera sûrement passée te voir. Eh ben non, elle n'est pas passée. Alors, c'est net, ça. Pour elle, je suis un frère. Ah, mais ça a toujours été comme ça, et tu t'en contentais. Oui, ben, je m'en contenterai, mais il faut que je m'organise, que je révise le moteur, quoi. Allez, vaille. T'en fais pas pour moi. Moi, je m'en fais pour moi. Tout à l'heure, je joue ma peau avec ça. Ça, je suis sûr que ça va marcher. Sûr. Et tu embrasses Fifine pour moi, hein? Oh. Oh là. Oh là, ben, je comprends pourquoi le patron vous confie à moi, mon chou. Hein. Y a pas de quoi s'extasier, hein. Ça. Va falloir tout réapprendre. On va être pratique, tu veux? On n'est pas là pour effeuiller les marguerites, hein? Tous les croquis que tu me présentes là, tous, hein, ils ont pas de pep. Ils ont pas de look. Tu vois ce que je veux dire? Non. Quand le patron m'a téléphoné à ton sujet, il m'a dit, tu verras, elle est superbe, c'est Anna Magnani quand elle était jeune, volcanique, elle en veut, soigne-la et tout. Bon. Mais t'as pas dessiné des robes pour d'autres bonnes femmes. T'as dessiné des robes comme tu voudrais porter, toi, avec les formes à la Magnani et son tempérament volcanique. Non. Cocotte, pense au corps de tes consoeurs. Oui, mais comment je fais? Elles n'ont pas toutes le même corps. Mais si, elles auront le corps que tu veux leur donner. C'est ça la création. Depuis Poiret, on les remodèle à discrétion, ces mignonnes. Tu dis je veux qu'elles soient baraquées, sportives, paf, elles sont sportives et baraquées. Tu dis je veux qu'elles aient des nénés à la Jane Mansfield, ou tout en jambes, ou longiligne à la Barbara, et youf, leur corps obéi. Bon, Chantal. Quelle est la tendance actuelle? La tendance est qu'il n'y a plus de tendance. Il n'y en a plus. Alors toutes les folies sont permises. Fais-moi de la folie. Vu. Qu'est-ce que je fais alors? Tu vas travailler sur une idée à moi. Le patron t'a parlé un peu des tuniques? Non. Non? Ah si. Oui. Si. Il a dit que j'avais un nom de tunique. Il a dit, je vois très bien ça, moi, la tunique cambalette. Oui, Chantal Cambalette. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Il y a des gens qui portent un nom pareil. Vous voulez me vexer? Mais pas du tout, mon chou. Cambalette, ça chante, ça danse, ton nom de famille. Mais avant de créer la tunique Cambalette, je vais te mettre sur mes tuniques à moi. Ou plutôt non. Sur une idée pour propulser la mode des tuniques. C'est génial, tu vas voir. C'est quoi qui est génial? Ah ben, mon idée, elle est géniale. Ah, vous dites ça comme ça, vous? Ben, bien sûr, puisqu'elle est géniale. Tu vas voir, t'es obligé d'être d'accord avec moi. T'as bien dit au patron, je suis quelqu'un. Oui. Eh ben alors, si toi, qui es en bas de l'échelle, tu peux dire que t'es quelqu'un, moi, qui suis au sommet, je peux dire que je suis génial, non? Voilà. Je pars du principe que les femmes ne savent plus se déshabiller. Elles savent s'habiller, mais elles savent plus se déshabiller. Vous croyez? Oui, oui. Pourtant, il n'y a jamais eu d'aussi beau maillot et d'aussi belle lingerie, non? Alors, je sais, mon chou, j'ai une très belle nana que tu connaîtras. Et crois-moi, elle sait me mettre sans dessus-dessous avec ses dessous. Mais le problème n'est pas là. Chantal, nous sommes sur le bord de la mer. Et de Narbonne à Vintimille, chaque été, il y a 3 millions de femmes qui ne savent pas comment s'habiller quand elles sortent de l'eau. Alors, c'est pour ça que je vais lancer l'opération Tunique Méditerranée. Alors, il est génial, Hugo, non? Je crois. À la tienne, Chantal. Et au travail. Ah ben, qu'est-ce que vous croyez qui va changer, Maître Burle, s'il est élu, hein? Qui va faire lever le soleil de l'autre côté, à l'ouest? Oh, il va sûrement m'aider à être subventionné sur le plan culturel. Oh, mais vous pensez que la culture... Moi, elle va m'aider à grandir mon petit supermarché. Mais vous avez bien assez d'espace, non? La Calanque doit rester ce qu'elle est. Nathalie, le pastis, là, pour tout le monde. Non, Maître Burle dit toujours qu'il faut voir européen. Moi, je dis qu'il faut voir Calanque, vivant comme au temps de nos grands-pères. Hein. Oh, monsieur le maire, excusez-moi. Avec des raisonnements pareils, nous n'aurions ni le téléphone, ni des ampoules électriques. Est-ce qu'il vous rend plus intelligent, le téléphone, hein? Je ne sais pas où nous sommes partis. Hein. Oh, pour la guerre de 70. Est-ce qu'il y a le téléphone là, dans votre Salomé? Est-ce que Molière a téléphoné à Racine? Non, ils étaient fâchés. Ah, mais vous m'avez compris. Hein. Moi, je crois que je préfère M. Burle. Hein. Au moins, quand il sera nommé député, lui, il va se remuer. Qu'est-ce qu'il vous a amené, hein, Maître Burle? Qu'est-ce qu'il va vous amener? La télévision locale, un port de plaisance, avec 15 bateaux. Hein?
l'obligation pour Francis Cambalette de transformer sa gargote en établissement international. Des plages grouillantes de Grenichon, un casino, un établissement de thérapie, là. Hein? Miami, quoi. Saint-Tropez. Et vous voyez, là, cette brave Agnès, hein, parler anglais, avec l'accent des Bouches-du-Rhône, hein? Alors, hein, et votre culture, qu'est-ce qu'elle devient, là-dedans? Enfin, quoi, on n'est pas heureux comme ça, non? Pourquoi? Pourquoi vouloir faire du théâtre à tout prix? Pourquoi? Mais parce que c'est aussi utile que de boire et de manger. Le théâtre, ça rend sensible. Et puis regardez où vous en êtes, vous, sur le plan sensible. Même pas Louis XIV. Et même pas Saint-François d'Assise. Encore plus reculé, au Gaulois. Oh, vous êtes chez moi et vous buvez mon pastis, hein? Ouais, pourquoi? Il est d'époque. Ouais, on s'en va, hein? Allez, restez là, hein? Vous êtes le conseil municipal, hein? Ben, il manque Francis et Burle, justement. Mais ça, Francis, il s'en fout. Et Burle, s'il était là, je pourrais même pas mal parler de lui, hein? Oui, j'ai invité le conseil pour décider que si Burle est élu, il doit démissionner du conseil municipal. Il a promis qu'on aurait des sous pour monter Salomé. Ah, vous y tenez, vous, Sophia? Je ne suis pas Sophia, je suis Diane. Ah, tiens, viens là. Et j'y tiens, oui. Parce que ma sœur, elle a besoin de trouver un homme à marier. Il n'y a pas d'homme dans la calanque. Joséphine, Chantal, moi, Laurence, on est perdus d'avance pour le mariage. Un jour, je m'en irai d'ici, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Elle a jamais autant parlé, hein? Vous avez intérêt à vous moderniser un peu, monsieur le maire. Oui. Et puisque le sujet de notre réunion était la démission de maître Burle, je vote contre. Je vote contre. Burle aurait forcément voté contre, Francis Cambalette s'en fout, vous êtes en minorité. Eh bien, en tant que bon démocrate, je m'incline, mais vous venez de voter l'invasion de la Calanque par les barbares, hein? À votre santé, messieurs. À votre. Pourquoi chez moi? Je suis la dernière personne chez qui vous auriez dû vous rendre. Vous savez très bien que votre père ne peut pas me sentir. J'ai conquis tout le monde dans cette calanque, y compris Burle, enfin je crois, mais pas votre père. Ah, puis excuse-moi, je vais te tutoyer. Je ne resterai pas. Alors pourquoi tu viens? Pour vous demander conseil. Je vais monter un confessionnal, moi, dans ce coin. En haute époque, tiens, ça doit se trouver. Pourquoi je te parle de confessionnal? Nathalie, je t'observe, là. Et je comprends que tu vas pas t'expliquer. C'est visible comme le nez au milieu de la figure. Tu es de cette race de filles qui ferment leur gueule toute leur vie. Et pas malléable, comme Laurence. Laurence, elle avait des problèmes avec son père, qui n'en a pas, hein. Sauf que les filles, en général, c'est avec leur mère. Mais la mère de Laurence, c'est une autre planète. Mais elle s'est confiée, Laurence, à Joséphine, à Chantal, et puis à moi. Et moi, je suis pas là? Et agressive avec ça. Tu voulais aller où? J'ai mis le frein. Rentre chez toi, va. Non. Si. Et une bonne explication avec ton père. Cet homme qui ne voit rien, qui ne vit rien, qui est buté comme un âne rouge, qui sait? Il ne doit tellement pas comprendre ce qui lui arrive qu'il t'écoutera. Non. Je veux mettre le large entre lui et moi. Il comprendra seulement quand je serai loin. Je vois. Pour qu'il ressente un vide. Oui. Pour que j'existe. C'est pas bête. Tu as perdu ta mère quand? À 5 ans. Et tu en as? Je viens d'en avoir 18. Ah, c'est symbolique. On est encore une fillette et on se sent majeure. Et pourquoi il s'est pas remarié? Qu'est-ce que j'en sais? Il a eu des... Des passades? Oui. Tu vas lui téléphoner d'ici. Tu inventes un endroit où tu es. Tu lui dis que tu as des choses à réfléchir et que tu rentres dans 3-4 jours. Plus? Je sais pas. En tout cas, tu lui dis que tu rentres. Vous avez un endroit où m'envoyer? Eh oui, ici, chez moi. Oh, je ne vous... Mais non, Nathalie, ne discute pas. Appelle ton père. Rassure-le.
suis passée à la maison. Je croyais que tu y étais. Fallait bien que je fasse mon travail. Je vais pas rester à la maison parce que tu as eu des états d'âme. Tu sais, pape, à partir du moment où on a une âme, on a forcément des états d'âme. Tu l'as pas eu, voilà un an. Voilà deux ans, tu as attendu que le code civil te donne le droit de prendre des responsabilités, non pas pour t'expliquer, mais pour prendre la peau de l'escampette. Où tu étais? Ça me regarde. Ah, mais si on veut vivre à nouveau ensemble, ça me regarde aussi de savoir comment on va partager l'existence, hein. Non, non, moi d'abord, hein. Pareil que j'ai des torts. Francis Cambalette, délicatement, m'a comparé à un cochon corse. Moi, j'aurais bien qu'on me compare même à un lampadaire, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas aimer ma fille. Mal. Qu'est-ce que ça veut dire, mal? On aime comme on aime, hein? On aime comme on sait, hein? Ça ne s'apprend pas, ça. Je crois que si. Et c'est toi, bien entendu, qui vas me l'apprendre. Oui. Parce que moi, je sais ce qui te manque. Tu n'es pas aussi bête qu'on le dit. C'est ma fête, hein? Décidément, aujourd'hui, c'est ma fête. Je pense que tu as perdu l'équilibre quand maman t'a manqué. Et que depuis, tu n'as plus rattrapé cet équilibre. Non. Au fond, il n'y avait que maman. C'est possible. Et toi qui me reproches d'avoir des états d'âme. Tu as eu le même état d'âme pendant plus de 10 ans. Je suis seule, cette Nistone a élevé, je ne sais pas comment je vais faire. Plus ou moins, tu me reprochais d'être là. Ah, tu es folle, hein? Réfléchis bien. Et tu t'es renfermée. Et moi, je me suis refermée de mon côté. Bon, mais ça va, hein? On va pas parler de ça. Pendant 107 ans, hein? Moi, je me rends compte que je peux pas vivre sans toi. J'ai vu ce que tu voulais. Je suis contente que ton propre père te demande pardon. Eh bien, je te demande pardon. Et puis, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, tu faisais ce que tu voulais, non? Si, mais... Alors, mais parle, bon Dieu, parle, mais parle. Parle, je te parlerai. C'est terrible, ça, ce silence. Je te parlerai. Je te dirai... Des petits riens. Tiens, j'ai perdu la clé de la cave. Ça t'intéresse? Oui. C'est moi qui l'ai. Et remarie-toi. Ah. C'est ça qui est sorti de ta réflexion? Oui. Sérieusement? Oui. Eh bien... On en reparlera. Des folies de la ville, dans une calanque au grand soleil, dans une calanque au grand soleil, dans une calanque.